comme je viens de vous le dire, c'était très compliqué. Je crois que vous l'avez vu vous-même. Ils s'arrachent les cheveux en fait, ils n'arrivent pas à... C'était compliqué pour eux. Enfin, merci en tous les cas à vous. Pourquoi je vous remercie au nom, évidemment, de l'organisation du Swiss Voice Tour? Parce que vous vous êtes impliqués. Et ça, Melia, Caroline, Marcos, Bessa, c'est très important de s'impliquer tel que vous l'avez fait. Vous avez pris à cœur, évidemment. C'est pas la mort, évidemment, si vous n'arrivez pas en premier, ou en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, on est bien d'accord. L'important, c'est que vous ayez chanté, que vous ayez fait votre passion, et il n'y a que ça qui compte. Il y a des gens ici autour que je vois qui vivent de la musique sous plusieurs formes, et c'est ça qui compte, encore une fois. Ça peut être aller chanter dans un concert, un mariage, ça peut faire du karaoké, peu importe, on aime tous la même chose. Le dénominateur commun, c'est l'amour qu'on a pour la musique. Et c'est ça qui a compté aujourd'hui. C'est ça qui a fait parfois une petite différence pour certaines personnes. Mais au final, évidemment, il n'y aura qu'une seule personne par catégorie qui ira donc en demi-finale, je rappelle, le 22 décembre 2019. On va commencer par les enfants. Je vais demander à tous les enfants de monter sur scène, s'il vous plaît. Il y avait Warda, Ivan, Mathéo, Aivan, Pamela, Pamela, venez tous sur scène. Venez, installez-vous. Au fur et à mesure, on me dira ce que c'est comme cadeau, si jamais, parce qu'évidemment, j'ai la mémoire courte avec l'âge. Alors, mettez-vous plus par là-bas. Parce qu'il y a le gros schtroumpf au milieu, croyez-moi, il vous prend de la place et de la vue. Donc, voilà, faites une belle photo. Un beau sourire et belle vie, on sourit, on montre ses dents. Voilà, allez-y, photographiez-les. Tellement ils sont beaux. Ils sont très, très jolis. Alors, il n'y avait que 4 places sur les 6. Mais ici, tout le monde est gagnant, quoi qu'il arrive. C'est un peu mon côté Jacques Martin, ça va de soi. Mais tout le monde est gagnant, parce qu'évidemment, vous avez été tellement exceptionnels qu'on ne pouvait pas partir sans vous donner un petit cadeau. Ça, c'est certain. Et encore une chose qu'on m'a dit, la direction est présente aujourd'hui. Allez vous inscrire, si vous ne passez pas cette rampe-là, allez vous inscrire dans un autre centre, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, parce que si vous êtes des gagnants potentiels, c'est certain. Et encore une chose très importante, votre vie artistique au niveau du Swiss Voice Tour n'est pas terminée. Allez liker sur leur vidéo, s'il vous plaît, sur Swiss Voice Tour, car vous pouvez peut-être, par coup de cœur, aller les faire aller directement en finale qui aura lieu au mois d'avril 2020. Donc, allez-y, ce n'est pas terminé. Je vais demander, s'il vous plaît, qu'on applaudisse très très fort deux personnes qui n'ont pas été qualifiées dans les 4 derniers. Juste pas que je me trompe. Je vais demander d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Pamela, s'il vous plaît, qu'on applaudit très fort. Bien, 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 comme vous voulez. Elle a chanté merveilleusement bien ce week-end. Et aujourd'hui aussi, elle a pris le côté, mais c'est pas grave, franchement, c'est rien du tout. Elle a émerveillé. En tout cas, le public et aussi eh bien, notre jury. Ça, c'est pas fallu grand-chose, mais ça fait partie du jeu, malheureusement. Et je vais demander d'applaudir très fort Pravina, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous pour voir les filles. Pour passer des photos, on va le donner. Allez, plus fort, applaudissez bien fort. Elle gagne une de mes cartes de crédit. Non, je rigole. Elle gagne évidemment des cartes cadeaux du centre, bien entendu, pour aller vous faire plaisir. Une valeur de 20 francs, comme ça vous pouvez aller évidemment prendre une petite chose. Merci infiniment à vous. Vous n'êtes pas perdante, je le redis. Vous avez merveilleusement bien chanté. D'accord? Allez vous inscrire dans un autre centre parce que c'est pas grand chose. Vraiment, sincèrement. Applaudissements, s'il vous plaît. Restez bien sur scène avec vous. C'est là le final de la mer. Voilà. Est arrivé quatrième. Monsieur Ivan. Ouais.
Il gagne cette petite suite interactive de Yamaha. Il a chanté merveilleusement bien, ça va, ça va. Est-ce que ça va toujours bien, Yvan? Il va toujours bien. Alors on le salue bien, c'est un applaudissement. Ah, encore une fois. Attendez, vous savez quoi, vous êtes quand même pas de 1. Ah, bien, Yvan. Nous continuons, est arrivé troisième. Ça a été très disputé, hein. Vos 6 places ont été très disputées, je le dis. Hein. C'est pas pour les adultes, c'est tous pour les galères pour eux. Warda, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Warda, bien de retrouver. Aussi, tu joues la guitare? Eh ben, ma chère, il va falloir s'y mettre. Elle gagne évidemment cette magnifique guitare, mais elle gagne surtout vous, s'il vous plaît. Dites-le lui, criez-le lui, s'il vous plaît, qu'elle aille se réinscrire. Dites-le lui, allez-y. Vous avez aimé sa prestation? Ben, moi aussi. Merci à toi, c'était super. Alors, je te laisse le prendre parce qu'il en comprend. Non, tu restes avec nous. Où vas-tu? Ah, tu me poses devant. C'est bien, elle met les sponsors devant, c'est super. Merci, tu as raison. Alors, ça va jouer entre deux. Entre deux garçons. Est arrivé le deuxième. Monsieur Matteo, s'il vous plaît. Vous avez bien compris? Qui est gagnant? J'allais bien chercher mon bébé. Viens. Maman aussi. Venez les parents. Les parents peuvent venir, hein, avec grand plaisir. Reste avec moi, Mathéo. Tiens, c'est pour toi. On va faire la photo, évidemment. Restez bien derrière, s'il vous plaît. Les jurys peuvent venir, évidemment. Voilà, mettez-vous juste derrière, s'il vous plaît. Chers jurys, juste en écoute quelques instants, mettez-vous derrière. Avec les autres candidats aussi, s'il vous plaît. Installez-vous. Prenez ce que vous avez gagné aussi. Allez-y, faites la photo. Je me retire.